Ça fait des mois que je procrastine à faire cette vidéo, je suis ravi. Salut à tous et bienvenue sur H-Wings Aviation. Aujourd'hui on se retrouve enfin après 5 mois d'absence, si je dis pas de bêtises. Je vous rassure, il y a un contexte et il y a de bonnes raisons pour lesquelles je n'ai pas publié pendant un très long moment. Je peux vous rassurer, ça va reprendre. Ça va reprendre avec certains aspects qui seront différents de précédemment. Je vais essayer de tout vous expliquer dans cette petite vidéo en répondant à certaines de vos questions. D'abord et avant tout, il y a un sujet duquel je vais parler pendant un certain temps, c'est le sujet du simulateur à l'aéroclub de Bigorre, le Cessna Cardinal RG que j'étais en train, avec Antoine, de convertir en simulateur pour le club. Je vais vous expliquer tout en détail à la fin de cette vidéo. D'abord et avant tout, la raison de mon absence. Alors, ça fait à peu près 5 mois que je n'ai pas publié de vidéo, et si je suis très honnête avec vous, ça doit faire 1 an et demi à pratiquement 2 ans que le fait de créer des vidéos est compliqué pour moi. La raison est simple, je terminais mes études, j'étais dans une année d'alternance jusqu'en septembre 2022. Et à partir de septembre 2022, j'ai commencé mon premier métier, mon premier travail. Et donc il a fallu s'adapter au nouveau rythme de travail. Comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo que j'ai tournée il y a un paquet de temps, mais qui est finalement très récente sur la chaîne, ou en tout cas qui est l'une des dernières, j'ai déménagé en région toulousaine, j'ai déménagé à Blagnac, comme maintenant ce magnifique petit Concorde peut en témoigner, BVFC. Habiter ici, c'est un véritable rêve, c'est génial. On est submergé par l'aéronautique et franchement, je pourrais pas rêver mieux. Ceci étant dit, ça a quand même nécessité une adaptation, et donc une adaptation qui a pris un petit peu de temps. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec mon environnement et je suis plus à l'aise avec mon quotidien, notamment mon travail. Donc ça me permet de prendre un peu plus de temps pour d'autres activités et notamment le montage, que j'ai toujours adoré faire et que j'adore toujours faire. Il y a eu d'autres petits changements dans ma vie, hein, mais ça n'a pas forcément un lien direct avec la création des vidéos. Comme je vous ai dit, jusqu'à récemment, ça a été compliqué pour moi déjà de filmer et ensuite de pouvoir éditer, monter et publier des vidéos. C'est un problème qui est en train d'être résolu au fur et à mesure, puisque maintenant j'ai une quantité de contenu qui est en train de s'accumuler, notamment des vols. J'ai été lâché sur une nouvelle machine, vous en aurez peut-être déjà vu 2-3 petits plans qui vous auront vendu la mèche. Et donc si ça a été compliqué dans les derniers mois, maintenant j'ai une bonne quantité de contenu que je vais pouvoir éditer et publier, normalement sans trop de soucis, pour les prochains mois au moins. Et j'ai pas mal de plans aussi pour l'avenir, de choses à filmer qui pourront être publiées par la suite sur la chaîne. Et ça, c'est à voir. L'avenir donc pour H-Wings Aviation, c'est de poursuivre sur un schéma régulier, on va dire, avec une publication cette fois-ci toutes les 2 semaines et plus toutes les semaines. Bah, désolé, on réduit un petit peu le rythme, mais je peux pas suivre sinon. En termes de contenu, on va poursuivre ce à quoi vous êtes habitué. Donc il va y avoir des vols PPL sur DR400 et sur la nouvelle machine. Là où les, d'ailleurs. Je veux pas vendre la mèche parce que ça, par contre, vous n'êtes pas encore au courant. Bref, la simulation de vol va reprendre et poursuivre. Donc FS20 et IVAC, enfin, c'était IVAC avant, maintenant c'est devenu Aurora. Je reprends petit à petit la simulation de vol, ça prend un petit peu de temps, c'est pas forcément évident non plus, parce qu'il y a des nouveaux outils qui ont été développés depuis que moi je m'en suis servi. Je me rends compte que je suis pas forcément tout à fait dans le cadre. Je me repositionne dans le cadre. Les documentaires, alors j'en ai réalisé quelques-uns, et c'est un format qui me plaît beaucoup, c'est un format où on peut se permettre d'être créatif tout en apportant de l'information. C'est un format qui a l'air de vous plaire, même si statistiquement c'est pas quelque chose qui fonctionne très très bien. Après historiquement j'ai pas fait des choses sur ma chaîne YouTube pour que ça fonctionne bien, j'ai fait des choses parce que j'avais envie de les faire. Donc je pense qu'on va continuer à créer des documentaires, et des documentaires sur des sujets qui ne sont pas forcément couverts aujourd'hui dans la communauté aéro-française. Le spotting, et ben maintenant... J'habite à Toulouse, donc maintenant il y a des jolis avions, donc maintenant on va en profiter et on va filmer autant qu'on peut. J'ai déjà fait quelques sessions de spotting depuis que j'habite ici, je veux continuer à en faire un bon petit paquet et potentiellement vous risquez d'en voir quelques-uns sur cette chaîne. D'un point de vue des modèles réduits, je collectionne toujours les avions au 500e, j'ai toujours l'aéroport de Budapest au 500e. Est-ce que je veux reprendre les vidéos sur le sujet? Pourquoi pas, ça me plairait bien. Est-ce que je vais continuer à créer
des choses pour de nouveaux aéroports, c'est à voir. On en vient donc au sujet qui fâche. Remise dans le contexte. Parmi la dernière dizaine de vidéos que vous avez de disponibles sur la chaîne, précédant celle-ci du coup, au cas où vous voyez cette vidéo plus tard après sa sortie, vous avez à votre disposition une série de vidéos sur la conversion d'un Cessna F-177RG Cardinal en simulateur de vol. Le Fox Bravo Victor India Lima était un avion abandonné qu'on a retrouvé et que, avec l'aide de mon ancien aéroclub, l'aéroclub de Bigorre, on a rapatrié dans un hangar et on a commencé à convertir en simulateur de vol, pour les bénéfices du club. C'est un projet que j'ai porté, sur lequel je me suis énormément investi. Le projet avançait bien, l'appareil avait entièrement été désossé, l'appareil avait été restauré, rénové, ou du moins le fuselage avait été, on va dire, lissé ou remis à un standard qui donne l'impression qu'il est à peu près lisse. 14 kg de mastic pour en témoigner. L'appareil avait été poncé, peint. On avait commencé à attaquer la préparation de l'intérieur de l'avion. Toutes les garnitures d'intérieur avaient été restaurées, rénovées, réinstallées. Et Antoine, dont c'était la partie, était en train d'avancer très rapidement d'ailleurs sur l'installation en fait, de tout l'équipement qui allait concevoir, qui allait être le simulateur, si vous voulez. Et là, le grand mal des associations, ou du moins des relativement grandes associations, a frappé. Une association loi 1901 est souvent gérée par des bénévoles. Du moins, cet aéroclub l'était. Le problème avec cette association, c'est que ses administrateurs avaient une manière bien à eux de faire fonctionner cette organisation. Donc j'ai décidé peu à peu de me désengager de cet aéroclub. Je me suis inscrit sur des clubs toulousains, j'ai commencé à voler en région toulousaine. Et concrètement, la seule et unique raison pour laquelle j'étais toujours membre de cette association, c'était pour poursuivre les travaux sur le simulateur. Le problème, c'est que les administrateurs qui gèrent le simulateur sont aussi les administrateurs du club. Le projet a été stoppé. Autant vous dire que, pour moi, un projet en stand-by, à 200 km de chez moi, ne justifie pas d'une cotisation annuelle. Je suis le premier désolé d'avoir à terminer ce projet que j'adorais. Le fait est que j'ai quand même pris énormément de plaisir sur ce projet. J'ai passé de très bons moments à travailler dessus. Malgré un investissement personnel qui a été absolument énorme en nombre d'heures, en investissement même financier pour me déplacer, pour acheter des équipements de protection, etc. Mais j'ai beaucoup appris et cet apprentissage m'a énormément aidé et notamment aujourd'hui à me motiver à rejoindre une association toulousaine qui est juste à côté d'ici, qui s'appelle Les Ailes Anciennes. Je ne sais pas encore si je pourrais filmer dans cette association, je ne sais pas encore si je pourrais vous partager du contenu, mais si je peux, croyez-moi bien que je le ferai. Pour ce qu'il en est de la série sur le simulateur, il me restait encore 2 épisodes à vous proposer, qui sont tournés, mais qui ne sont pas encore montés et qui ne sont encore moins publiés. Le premier sur la peinture de l'avion, on a fait un travail qui est d'assez longue haleine, et l'installation de l'équipement à l'intérieur de l'avion. Faudra que je voie avec Antoine s'il a suffisamment de matière pour qu'on lui dédie une vidéo sur la planification et la préparation de tout ce qui concerne l'instrumentation. Donc pour pouvoir clôturer sur ce sujet-là, le simulateur était un projet qui était extrêmement ludique et super sympa à réaliser, super sympa à partager. Vous avez été très nombreux à l'apprécier et j'en suis ravi. Les vidéos de restauration pourraient reprendre avec les ailes anciennes, à voir avec eux. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue. Faut que je vois au montage comment je peux me débrouiller pour réduire, parce que là j'en suis à plus de 45 minutes d'enregistrement, c'est génial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réaliserai peut-être une FAQ récemment. Bientôt. Mais d'ici là, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis... J'allais dire à la semaine prochaine, mais non, du coup, à dans 2 semaines.